La justice, c'est une grosse tartine de merde dans laquelle tout le monde doit mordre. Et ceux qui goûtent le plus, ce sont les plus petits. Si t'es pas convaincu, écoute ce témoignage. Des paroles dévastatrices à l'attention de notre justice. On pourrait être diplomate, mais c'est hypocrite et factice. FRJ va de l'avant, pas de concession, c'est conscient. Car tous les fils de votre justice sont les complices de nos tourments. Le débat s'est enflammé depuis toutes ces affaires de meurtre. Les documents dissimulés, l'incompétence des procureurs, faux mensonges médiatisés, leur commission tournée de manège et des PV qu'on a trouvés dans les poubelles de la ville de Liège. Appelez votre premier témoin. Chacun y a vécu pendant quelques mois, puis plus rien. L'espoir se refermait sur la grisaille des lendemains. Rappelez-vous de cette période, les bouts de tissu blanc accrochés aux fenêtres, exprimant tristesse au gré des vents. La grandeur des draps blancs sensibilise à votre système. Quelques petits changements, le temps que les gens puissent apaiser leur âme. Mais votre justice reprend ses droits à faire cousu de fil blanc quand il s'agit de protéger les abuseurs d'enfants. On trouve des pédophiles notoires sur notre trottoir, mais le gamin qui déconne se retrouve au placard. Différence de jugement, déséquilibre des sentences. À croire que vos magistrats protègent la pire des délinquances. En 5 minutes de temps, le juge de la jeunesse peut trancher. Mais ça prendra 5 ans avant que Dutroux ne soit jugé. Alors imaginez tout ce qui peut se cacher dessous. L'incompétence des magistrats, c'est pas que l'affaire Dutroux. Tels sont les faits de cette affaire. Votre justice est restée arbitraire. Et ils ne sont pas contestés. Tels sont les faits de cette affaire. Les plus petits doivent subir ou se taire. Et ils ne sont pas contestés. Vous ne manquerez pas, j'en suis sûr, d'illustrer votre propos lors de votre contre-interrogatoire. Aussi, vous ne verrez aucun inconvénient à ce qu'on écoute le témoin. Votre audition plus avant. Vos affaires se succèdent et ne se ressemblent pas. Des militaires qu'on a laissés crever au Rwanda. Hiérarchie militaire qu'on a mis dans la ligne de mire. Mais y'a plus de responsables quand tu laisses des soldats mourir. T'as son passe à la sous-offensive ministérielle. Contre-attaque au Luxembourg, Augusta reste en plein ciel. Des initiales, des témoins, compil de faux témoignages. Et c'est que tu pourris, c'est que t'as niqué son naufrage. Dans mon pays, et c'est la vie de mes semblables. Toutes les affaires médiatisées, personne n'a cessé d'en parler. Mais les bavures du quotidien, elles sont dissimulées. Vos lois sont toujours appliquées au travers d'un homme. Mais dites-moi, qui contrôle tous les fachos en uniforme? Combien de gamins mineurs d'âge se font enfermer dans vos centres, vos prisons, en prévention à bon marché? Privés de liberté, y'a plus qu'à attiser leur haine. Quand ils seront adultes, ils se vengeront de votre système. Peut-être que si vous vous expliquiez. Il est temps de vous apprendre la vérité. C'est bien ce que je compte faire. Notre monde est en ce moment divisé, tiraillé. Tels sont les faits de cette affaire. Votre justice est restée arbitraire. Et ils ne sont pas contestés. Tels sont les faits de cette affaire. Les plus petits doivent subir ou se taire. Le glaive de la justice, ça reste un symbole de puissance, de condamner, de t'acquitter ou de faire patienter tes sens. Quant à leur manière de juger, ils mettent tout ça sur la balance. Mais si tu regardes de près ce beau symbole, ils penchent d'avance. Alors pour s'en sortir, cette justice, on nique son emblème, recherchant une solution pour équilibrer ce système. Si la démocratie permet qu'on vote pour nos hommes politiques, on a le droit de choisir de ceux qui jugeront de nos pratiques. Le droit d'élire ses propres juges, c'est pas de la fiction. Ça permettra au moins de classer les pourris des bons. Tels sont les faits dans cette affaire. Votre justice est restée arbitraire. Et ils ne sont pas contestés. Tels sont les faits dans cette affaire. Les plus petits doivent subir ou se taire. Et ils ne sont pas contestés. Avez-vous rendu votre verdict? Oui, monsieur le président. Quel verdict? Ils ont tous été acquittés. Normal. La souffrance des victimes n'a aucun poids face au pouvoir de nous placer.